En 1975, la Cour internationale de justice affirmait que le peuple sahraoui a droit à l'autodétermination. L'avis de la CIJ établissait que le Sahara occidental n'était pas un territoire sans maître au moment de la colonisation espagnole. L'instance internationale a également conclu qu'il n'existait aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et le Maroc, affirmant que le peuple sahraoui a droit à l'autodétermination conformément à la résolution 15-14 de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous disons cela car il semble que cette question de droit instituée par les Nations unies et la Cour internationale de justice est intentionnellement détournée par des politiques. Évoquer le droit des Sahraouis à l'autodétermination, c'est défendre des principes universels et respecter les résolutions des Nations unies. Faire le contraire, c'est par ailleurs agir comme le fait actuellement l'entité d'occupation sioniste. Avec nous en ligne, Monsieur Driss Marani, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes président du mouvement progressiste marocain. Dans un premier temps, Monsieur Marani, pouvez-vous nous présenter votre mouvement ? Le mouvement progressiste marocain est une organisation politique marocaine qui lutte pour établir une république au Maroc et mettre fin à la monarchie totalitaire au Maroc. Nous sommes également engagés dans la lutte pour libérer notre peuple de toutes les formes d'oppression et pour établir une véritable démocratie qui respecte la volonté populaire. Notre mouvement s'oppose fermement à toute forme d'impérialisme et soutient les justes causes des peuples opprimés, y compris le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Monsieur Mrani, vous avez condamné la récente position de la France au sujet du Sahara occidental. Pouvez-vous développer les raisons ? Nous avons condamné la récente position de la France concernant le Sahara occidental car elle constitue un soutien injustifié à l'occupation marocaine de ce territoire. Cette position néglige les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et montre un alignement avec les intérêts impérialistes plutôt qu'avec les principes de justice et de droit international. La France, en soutenant le plan d'autonomie marocaine, ignore les résolutions de l'ONU et les aspirations légitimes du peuple sahraoui. Vous évoquez les droits des Sahraouis bafoués. Ne s'agit-il dans ces conditions que des droits humains ? Les droits des Sahraouis ne se limitent pas aux droits humains fondamentaux. Ce sont aussi des droits politiques, économiques et culturels que l'occupation marocaine viole systématiquement. Le peuple sahraoui est privé de son droit à l'autodétermination, qui est un droit fondamental reconnu par les résolutions des Nations Unies, ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l'homme. De plus, les Sahraouis souffrent d'oppression, de discrimination et de marginalisation sur leurs terres. Monsieur Mrani, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président du mouvement progressiste marocain. Vous mettez l'accent sur la nécessaire tenue d'un référendum d'autodétermination, une exigence onusienne censée se reporter. Comment expliquez-vous dans ces conditions l'incapacité de l'ONU à faire appliquer ces résolutions ? L'incapacité de l'ONU à organiser un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental est principalement due à l'obstruction systématique par le Maroc, soutenue par ses alliés internationaux, dont la France. Les intérêts géopolitiques et économiques de certaines grandes puissances ont pris le dessus sur le respect du droit international et des résolutions de l'ONU, ce qui a conduit à un blocage. Vous rappelez, Monsieur Marani, votre position constante pour les causes justes. Pouvez-vous évoquer les multiples soutiens de cette cause ? Le mouvement progressiste marocain soutient activement le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Nous travaillons en étroite collaboration avec des organisations de défense des droits de l'homme qui traquent les abus au Sahara occidental, ainsi qu'avec des mouvements de libération nationale et d'autres groupes progressistes à travers le monde. Nous pensons que la lutte pour l'indépendance du Sahara occidental est une cause juste qui mérite un soutien international massif. Quels sont vos moyens de lutte, Monsieur Marani ? Nos moyens de lutte incluent la sensibilisation, l'éducation populaire, les campagnes médiatiques, la mobilisation des masses et la collaboration avec des organisations internationales. De plus, nous sommes prêts à intensifier nos actions sur le terrain pour résister à l'oppression et soutenir la libération. Comment expliquez-vous par ailleurs les récents alignements, notamment ceux de la France et bien préalablement ceux des États-Unis ?
Les alignements récents de la France et des États-Unis en faveur du Maroc peuvent être expliqués par des intérêts économiques et géopolitiques. Ces pays impérialistes veulent piller les richesses des peuples. Le Maroc a utilisé sa position de garde-frontière pour l'Europe dans le contrôle de l'immigration et outre les services fournis par le régime Jumhrzin, comme mercenaire dans les guerres menées par l'impérialisme, par exemple l'agression contre le Yémen, aussi le soutien logistique à l'entité sioniste dans son génocide contre Gaza, pour obtenir du soutien à sa politique coloniale au Sahara occidental. Ces alignements montrent aussi l'abandon des valeurs de justice au profit de transactions et d'intérêts politiques et économiques. Y voyez-vous un marchandage sioniste par ailleurs? Il est probable que les récents accords entre le Maroc et l'Israël, soutenus par les États-Unis, aient influencé ces alignements. Et ces accords font partie d'un marchandage plus large dans lequel le Maroc échange sa normalisation avec Israël contre un soutien international à ses revendications sur le Sahara occidental. Ce marchandage sioniste est une autre preuve de l'exploitation des luttes des peuples pour des gains géopolitiques. Permettez-moi cette question, monsieur Driss Marani, ce sera ma dernière question. Vous êtes marocain, mais vous soutenez la cause de Sahraoui. Comment et pourquoi? En tant que Marocains, nous soutenons la cause sahraoui parce que nous croyons en justice, à la liberté et à l'autodétermination pour tous les peuples. Nous rejetons l'occupation et l'oppression sous toutes les formes, y compris celles menées par notre propre gouvernement. Nous pensons que le soutien à la lutte du peuple sahraoui est un devoir moral et politique pour tous ceux qui se battent pour un monde plus juste. La poursuite de l'occupation gâche les opportunités d'intégration régionale au Maghreb. Les coûts élevés dépensés par la monarchie pour poursuivre l'occupation et la colonisation au Sahara occidental, tout cela se fait au détriment de l'argent du développement et de la prospérité du peuple marocain. Monsieur Driss Marani, président du mouvement progressiste marocain, merci d'avoir répondu à nos questions.